Salut tout le monde, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un énorme coup de cœur que j'ai eu pour Le Livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Il s'agit du premier livre d'une saga, deux romans en suivi après celui-ci. Pour le résumé de cette histoire, en fait, on pénètre dans la phase secrète de notre monde où les créatures auraient évolué en se fondant dans la masse au milieu des humains. La société serait donc divisée entre quatre créatures, les humains, les vampires, les sorciers et les démons. Diana Bishop, personnage protagoniste de l'histoire, est une jeune historienne américaine et universitaire qui a effectué ses études en Angleterre, à Oxford, et qui a ensuite décroché un emploi à Yale, aux États-Unis, donc dans le Connecticut. Et elle va décider de retourner en Angleterre, à Oxford, pour consulter des ouvrages dans la bibliothèque, dans la célèbre bibliothèque de la Bodleienne, il me semble, excusez-moi, et afin de rédiger un discours d'introduction sur son domaine de recherche qui est l'alchimie. Diana, elle, appartient à la catégorie des sorcières. Cette appartenance, elle la renie depuis de nombreuses années, en fait, dû à des raisons personnelles que l'on apprend tout au long du livre. On la comprend d'ailleurs. Elle a donc grandi avec ses deux tantes. Sur ce point-là, ça me rappelle beaucoup, vous savez, l'histoire de la série Sabrina, l'apprentie sorcière, qui a grandi avec ses tantes Hilda et Zelda, il me semble. Alors en fait, si Diana refuse d'appartenir à une communauté de sorcières, qui peut être, par exemple, pour les réunions ou pour les fêtes Wiccan, etc., c'est tout simplement parce qu'elle veut réussir toute seule, par elle-même. Elle veut qu'on lui reconnaisse son travail, cette valeur, et ce travail qui l'a conduite là où elle en est aujourd'hui. Et non pas grâce à la magie, comme ça, qui serait injuste, selon elle, face à d'autres, pour les humains par exemple. Elle va donc se rendre à Oxford afin de consulter nombre des ouvrages contenus dans la bibliothèque célèbre La Bodleienne, afin de rédiger son discours d'introduction. Et en consultant des ouvrages, elle va tomber sur un ouvrage très étrange, empreint vraiment de beaucoup de magie, dont elle va décider, malgré l'attirance, de ne pas trop s'intéresser et de le rendre à la bibliothèque. Parce que ce serait contraire en fait à ses valeurs, qui sont de ne pas utiliser la magie dans sa profession. Et à partir de ce moment-là, en fait, à partir du lendemain, même juste après, il y a toute une flopée de créatures qui vont abonder dans la bibliothèque, c'est-à-dire des démons, des vampires, des sorciers, notamment le premier qui sera Matthew, un vampire, Matthew Clermont, qui est intéressé par l'ouvrage, comme toutes les autres créatures. Une passion va alors naître entre Diana et Matthew. Cette relation d'ailleurs n'est pas la bienvenue parce que le mélange entre les créatures surnaturelles n'est pas bien accepté, même pas du tout accepté. Donc ils vont enfreindre un petit peu les règles. Et l'intrigue se déroule également tout autour du livre, L'Ashmole 782, qui expliquerait l'origine et la distinction entre les espèces, qui est en fait un ouvrage sacré. Mais personne ne sait exactement ce qu'il contient. Il est très convoité. Chaque espèce a sa propre interprétation de ce qu'il contient. Et chacune sont différentes, à peu près. Et si toutes les créatures ont afflué autour de Diana, c'est parce qu'en fait, ce livre a en quelque sorte disparu, n'a pas pu être consulté depuis 150 ans. Et Diana va le demander et mystérieusement l'obtenir. Et arrive à l'ouvrir. Selon moi, c'est un univers très travaillé, très fourni, où il y a vraiment une très bonne histoire. Il y a une très bonne histoire exploitée de chaque espèce, enfin, surtout les espèces surnaturelles. La particularité est que l'auteur soit elle-même une historienne, spécialisée dans l'histoire des sciences et de la magie en Europe, plus particulièrement entre 1400 et 1700, il me semble. Et puis, elle a fréquenté les lieux principaux où se déroule l'intrigue, par exemple à Oxford, vu qu'elle est une historienne et universitaire. Elle connaît les lieux
dont elle traite. Et d'ailleurs, on le sent dans les explications, ça se ressent très bien. Elle a fréquenté tout ce qui est la bibliothèque bodléienne, Old Soul College, et toutes ces sortes d'endroits à Oxford. L'auteur a une magnifique plume. On lit son roman d'une traite, on est tenu en haleine. Tout au long, on dévore le roman, bien que ce soit un pavé. Parce que là, je l'ai en édition de poche, mais il fait quand même 834 pages, il me semble. Donc c'est quand même un pavé. J'ai dû mettre une semaine et demie, presque 2 semaines à le lire. Mais je l'ai quand même dévoré. Ça n'a pas gêné qu'il soit aussi long, bizarrement. Donc le roman est très construit. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup de rebondissements, beaucoup de choses inattendues. On ne suit pas un fil où le lecteur pourrait deviner ce qui va se passer en fait tout au long de l'histoire. D'une manière assez transparente. Non, il y a vraiment beaucoup de rebondissements, beaucoup d'actions, des choses qui se mêlent, beaucoup de personnages qui interviennent dans l'histoire, de nombreuses créatures, et c'est ce qui rend là toute l'histoire intéressante. On s'attache beaucoup aux personnages et à l'univers. Moi, personnellement, j'ai fini le roman, mais je suis encore à fond dedans. Même dans mes rêves, c'est pour vous dire, ça me poursuit dans mes rêves. Je rêve de vampires, de manoirs, de châteaux, c'est pour vous dire. On s'attache beaucoup au personnage parce que personnellement, j'ai beaucoup aimé Diana parce qu'elle n'a pas une histoire facile. On l'apprend tout au long du roman. Matthew, qui est un parfait gentleman et très mystérieux. On en apprend au fur et à mesure sur lui, petit bout par petit bout. Car il cache beaucoup, il a beaucoup beaucoup de secrets. Il cache beaucoup de sa personne. Les teintes de Diana également, qui sont drôles, attendrissantes. On s'y attache vraiment beaucoup. Il y a également beaucoup de références historiques et scientifiques. L'histoire contenue dans ce livre est très crédible parce que l'auteur s'appuie justement sur ces références historiques et scientifiques qui sont vérifiables car elles sont vraies. Et c'est ce qui rend justement l'histoire très crédible. Ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est que l'auteur exploite vraiment beaucoup le vécu du vampire qui est très très âgé. Et c'est ce qui d'ailleurs m'a toujours fascinée chez les vampires, c'est le fait qu'ils aient traversé plusieurs siècles, ils aient connu de grands événements historiques. Mais pourtant, c'est pas forcément ce qui est traité dans les ouvrages. Et c'est ce qui me déplaisait jusqu'à ce roman-là. Parce que justement, l'auteur a très bien su exploiter cela. Bon, le fait qu'elle soit historienne, ça joue beaucoup aussi. Et du coup, c'est un roman très intéressant, très enrichissant, sur tout point de vue. Autant le surnaturel que l'histoire, que la science, vraiment tout. Et ça peut plaire à beaucoup de sortes de personnes, à mon avis. Parce que plusieurs genres sont mélangés dans ce livre-là. Ce qui m'a fortement plu également, c'est le fait que les personnages soient plus âgés. Ça touche du coup à plusieurs tranches d'âge. Et ça peut plaire justement à beaucoup de personnes. Autant les adolescents que les adultes. Parce que du coup, je dirais que c'est plutôt... touche plutôt à la génération jeunes adultes et adultes. On traverse un petit peu toutes les émotions, à travers le rire, la joie, la peur, l'amour, le chagrin. Il y a aussi un mélange entre, vous verrez au long du roman, on voyage également entre l'Angleterre mystique, la France et ses beaux châteaux, ses beaux paysages, ainsi que les États-Unis durant la période d'Halloween. C'est vraiment un mélange très enrichissant. Il faut savoir également qu'une adaptation est en cours pour ce livre-là, ce premier tome. Pour l'instant, le scénario vient d'être rédigé, il me semble. Le choix des acteurs n'a pas encore été effectué. Et donc j'attends avec impatience que tout ça se déroule. Et en attendant, je pense que je vais m'acheter le deuxième et le troisième tome pour patienter. Donc voilà, c'était ma chronique lecture pour le livre des sortilèges de Deborah Harkness. J'ai très hâte de lire la suite, je pense que je vais pas tarder à m'acheter la suite. Parce que c'est vraiment un roman qui est génialissime. Je vous le recommande. Et voilà. Je vous le recommande très chaudement. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!